Allez les amis, hop là, je casse pas tout. C'est parti, faut régler la cam. Alors en même temps, on va live sur la Frenchie. Alors je crois que j'ai pas mis le truc de la Frenchie, j'ai pas eu le temps de le setup. Donc c'est pas grave, au moins on est là. Voilà. L'important c'est d'être là. Et l'important c'est qu'il se passe des choses. Donc il s'y passe. Voilà. On va s'amuser, on va faire un petit live vélo. Alors hier on devait faire 10 bornes pour un premier live. On en a fait 18. Alors aujourd'hui j'en ferai pas 18. Je me suis bien donné hier. Hein. Ouais, je fais jamais de sport, donc c'est un début, c'est une première pour moi. Donc là on est parti pour au moins refaire un petit 10 bornes. Voilà. Donc c'est parti. En avant. Allez. Et du coup, on sera avec Choki, qui est là, pour qu'on discute un peu de strat. Hein? Oula, oula. Parce que monsieur était Non. rageux. Monsieur est un rageux de ouf. Hein? Hier, il nous a montré la rage de vaincre. Hein? À côté Rambo, il sert à rien. Donc, du coup, voilà. Bon, Adouine, là, c'est vrai, je sais pas le jouer. Hein, mais en même temps, il y a un cast, tu vois. Et ça, je crois que c'est le plus dur. Le fait qu'il y ait un Ouais, mais cast. après, je pense, je t'ai dit comme hier, même si tu savais pas jouer ton perso, le problème c'était pas ça, parce que même si tu healais pas beaucoup, le souci c'est qu'on était, bah, il y avait toi en heal, on avait un tank, et on avait Etienne en DPS avec moi, mais le problème c'est qu'il nous manquait le troisième, quoi, pour taper plus dans les teamfights. Mais je trouve que souvent on a un souci en fait, c'est qu'on est ou pas tous dans les teamfights, ou que en fait on choisit des persos parce qu'on a l'habitude par exemple de solo. Tu vois, Étienne, quand il prenait le Arthas, il allait souvent faire comme s'il jouait sa Sylvana, tu vois. Et du coup, je pense que c'est un peu ça le problème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, je vois. Bah, y a plusieurs choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est que déjà en fight, très souvent, il n'y a pas le bon focus. Hormis dans les games où ça se passe bien. Quand ça se passe bien, en fait, tout le monde focus le DPS ou le heal. Et après, il n'y a plus que les tanks à laver. Et quand ça se passe mal, bah, très souvent, C'est qu'on on focus le claque tank. tout sur les tanks alors qu'on devrait pas, quoi. Ah, mais parce que les tanks, tu Ils vois, je peuvent pas trouve taper les à ce tanks. moment-là, quand ça nous arrive, je trouve que les tanks se mettent vachement en avant en fait. Par rapport à nous, Ouais, quoi. après, ouais. Après, ouais, voilà. Sauf si le mec il se donne. Si le mec il se donne, voilà quoi. Tu lui mets la claque au cul. Mais souvent, on n'a pas un truc qui ou stun ceux devant pour pouvoir accéder à ceux de derrière, ou pouvoir grab. Mais tu vois, quand Yvan il a pris le gros là, c'était facile de pouvoir grab quoi. Le Aussi. gros, le gros, le gros. C'était cheese. Je sais pas comment il s'appelle en français. Le truc qui a le bide ouvert là. Ouais, c'est comment il s'appelle Oh merde. Balafré. Balafré. Donc ouais, donc lui c'est pas mal, tu vois, ça peut faire des choses. Ça peut faire des choses. Mais parce que Dubi, s'il arrive à graber le heal, tu vois. Il faudrait peut-être qu'on prenne plus de Ouais, stun. mais Ou qu'on teste d'autres ouais, mais persos, qu'on. ben, ce qu'il faudrait peut-être, je pense, c'est un tank défensif qui est là juste pour cash et ramener sur l'équipe heavy, style Diablo, Magani, Là, ce comment genre de s'appelle Johanna personnage. aussi. Johanna, Johanna, ouais, aussi, Johanna, tu attends, Johanna. elle se mettait tout le temps insensible là. C'était Johanna, ouais. assez violent quoi. Et Johanna, ensuite, elle s'est donnée. ben, un guerrier offensif pour pouvoir à la limite grab aussi. Grab, enfin voilà, tu vois, aider le tank et qui fait des dégâts un peu plus soutenus. Je vais regarder un peu qui c'est qu'il y a. Guerrier offensif. Merde, attends, j'ai perdu la pédale. J'ai perdu la pédale. Ben, en guerrier offensif, on pourrait prendre un Léoric. Hein.
très très fort, ça vole de la vie. Ouais, les bruits quoi. En permanence, ça peut un V5. Après, ouais. Thrall, c'était bien aussi. Ouais, mais Thrall, tu vois, là, je regardais le build qu'ils font. Et c'est pas du tout ce que je joue, en fait. Comme d'habitude, comme Thrall, comme build. Et du coup, en fait, ce build-là, il est trop sur faire des quêtes, tu vois. Et je pense qu'avant, il n'y avait pas à faire les quêtes. Avant, c'était genre... il n'y avait pas cette histoire de quêtes. Et là, en fait, je suis obligé de presque solo pas mal au début pour faire déjà 20 kills de minions. Avec l'éclair, tu vois. Donc du coup, ce que ça veut dire qu'il faut que je sois tout seul sur une lane, que je descende plein de petits minions, et que d'un seul coup, j'envoie l'éclair pour les fumer, quoi. Et c'est là où je perds du temps, c'est que du coup, ça teamfight direct. Ouais. Ou alors, on pourrait carrément prendre un Garrosh Diablo. Ça pourrait être très très fort, j'ai déjà vu l'idée, c'est violent. Ouais, mais Garrosh, j'ai à peine testé, hein, une fois, à voir. Garrosh, c'est pas compliqué, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Je crois que j'ai fait une game avec. Le perso est plus simple. Je sais pas, il fait quoi lui? Il stun, il grab. En ouais. Gros, attends, je vais te dire. Hop. Alors, il stun à longue distance, il récupère de la vie avec son Z. Ouais. Et il lance un ennemi. Alors, attends. Lance un héros, serviteur ou mercenaire adverse proche à l'endroit ciblé. Inflige à l'impact, ok. Il me semble qu'il chope le type et il le ramène derrière. Je suis pas sûr. Ah, mais un allié adverse ou allié? Non, un ennemi. Ah, s'il fait ça, c'est bien ça. Tu en chopes un, tu mets dans les tours. Là. Ah, ouais. Yo. Proche et le ralenti. Yo. Et il y a deux ults, il y a un ult pour faire des dégâts de zone. Ouais. Un gros tourbillon qui fait très mal. Ou alors, il provoque tous les ennemis dans une petite zone. Et c'est vraiment OP parce que genre. Mais sinon genre ta Diablo il arrive, il catch un mec, il le pousse, il le ramène vers nous. Garrosh le ramène encore vers nous. Donc il le met encore plus derrière, donc ça fait double stun. Si le mec il veut se barrer, il peut re-stun avec son Q-spell Garrosh. Ouais. Parce que quand il le grab et qu'il le ramène, enfin qu'il le grab et qu'il le projette, ça le stun. Et quand il appuie sur son Q-spell, ça le stun aussi à distance, ça lui met des gros dégâts. Et imaginons, il y a tout le monde qui saute sur Garrosh, il appuie sur R, tout le monde est provoque. Donc c'est un genre de stun, mais c'est juste Garrosh qui prend cher, quoi. Ouais. Moi je pense que la meilleure compo à faire, ça serait genre double offensif, double dégâts, donc un mêlé, un distant et un heal. Et un heal. Ouais, parce que si tu regardes bien avec Diablo, bon, je me comprends moi parce que les Diablo qu'on a eu dans les games, c'était chier. Si tu regardes bien avec mon Diablo, j'étais presque aussi haut au niveau DPS. Sur les héros, sur les joueurs, que les DPS eux-mêmes. Donc je pense que même si on a moins de DPS, le fait d'avoir un Diablo plus un Garrosh, ça va quand même taper fort, quoi. Parce que vraiment Diablo c'est trop fort, hein. C'est un pas. Vraiment trop OP, quoi. Ça met des dégâts avec son souffle et à la fin en plus, niveau 20, tu peux prolonger le souffle. Et t'as pas vu hier à un moment donné, sur le gros mecha, j'ai soufflé pendant genre 20 secondes. Ouais. Là, je crachais des flammes pendant 20 secondes dessus. Et ça fait ultra mal, hein. Ça fait du... Attends, j'ai de dire... Ça ralentit les ennemis jusqu'à 40% de leur mobilité. Pendant 2 secondes. Ouais. Et. Tac tac tac. Ça fait 50 points de dégâts toutes les 0,25. Donc ça fait. Ça fait exactement. Ça dure 4 secondes, hein, au niveau 1. Ouais. Ça fait.
total. Tu fais x4. Ça dure 4 secondes. Ça fait 2 x 4, 8. Ça fait 800 dégâts. Au max. Ouais, s'il reste dans le souffle. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, bah en fait, c'est. Ouais, justement, d'où le fait de provoquer. Parce que tu vois, il suffit que. Comment il s'appelle? Que Garrosh il provoque 2-3 mecs. Diablo il ult, tout le monde ult en même temps. Et en fait, Diablo, enfin Garrosh il a juste à les ramener dans le souffle de Diablo. Hein. Genre, ils peuvent y rester un petit moment. Hein. Donc, ouais. Du coup, ça peut faire vraiment très très mal. Il faut peut-être aussi mieux arriver à caler nos combos, tu vois. Genre se dire, je suis prêt pour le ult, on est prêt. Et genre, go team fight et boah, et là on démonte, tu vois. Histoire de bien lancer. Ça se joue sur un catch, quoi. Ça se joue sur un catch du tank, c'est tout. Hein. C'est à ce moment-là que le tank il dit, bon bah vous pouvez tout claquer, quoi. Ouais. Mais il y a un perso distant que j'adore jouer. C'est Cassia, qui est très forte, ça met de gros dégâts. Et tu peux grab les mecs. C'est-à-dire que le mec fuit, tu vois, très souvent, on n'arrive pas à les péter parce qu'il fuit. Ouais. Le mec fuit, Cassia, elle erre, et elle ramène une Valkyrie qui grabe le type et le ramène vers elle. Ah ouais, ok. Ouais, mais c'est R quand même, hein. C'est son R. Donc, Ouais, ouais, mais son R, elle l'a toutes les... C'est très... Elle l'a toutes les 60 secondes. C'est rien, hein. Vraiment. Ça revient très souvent, hein. Bah Lily aussi, hein, c'est pour ça. De... C'est 60 secondes aussi. Hier, franchement, il revenait trop vite, ouais, quoi. Bah ça revient super souvent parce que moi, je sais qu'avec le... Comment ça s'appelle? Avec Diablo. Ouais. Mon R, je l'ai quand même assez souvent. Et pourtant, c'est 90 secondes, tu vois. Oh là là, attention, attention. Il est chaud, là. Il est chaud, là, Yvan. Pourquoi? Ah, j'ai compris, gros. Si tu levais à 10h30, c'est pas pour rien, gros. Quoi, tu te... Qu'est-ce que... pas pour trier les carottes, hein, parce... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas moi. Ah, t'es venu sur Heroes? Mais c'est pour passer level 50, tu vois. Ah, ça, c'est bon, ça. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est... Bah, on peut train déjà... Alors si tu fais ça pour passer level 50, essaie de passer plusieurs persos niveau 5. Parce que comme ça t'auras plein de gold et t'auras testé plein de persos et quand ils vont plus être gratuits tu pourras en acheter. Sans dépenser de la vraie thune. Ouais, je fais mon vélo et je vous rejoins. Ah ouais, ouais, ouais. Faut tenir bon là. Ah ouais, mais là j'ai envie de jouer là, je suis déjà presque à 5 km. 4 km 5. Je suis STP en fait. Mec, il rush les kilomètres pour. Mais t'as l'air de jouer! Putain, je suis en train de me TP sur mon truc, il arrive pas de bouger! Ouais, il est certain fort. Il est fort, hein. J'avais un pote avec qui. Moi je dois monter de la boue. Allez! Allez! Putain, mais tu t'es réveillé quoi pour jouer? Non, mais c'est. Le mec, il s'est réveillé pour jouer. Je suis en congé forcé à partir de demain. Et ce matin, je me suis levé parce que tu sais, je dois taffer à la maison. Ouais. J'avais une petite formation, j'avais des bruits téléphoniques et tout. Et comme là, j'ai terminé ma formation tout seul, je joue un peu. Cet après-midi, début d'après-midi, j'ai encore une formation. Ouais. Normalement, si tout se passe bien fin d'après-midi, j'ai plus rien, je pourrais continuer à jouer. D'accord. Mais là, j'ai hâte d'être à demain, là. Enfin d'être à ce soir, j'ai plus rien, je joue en permanence, sans me soucier d'avoir un truc. Oh putain, ne faites pas faire des sprints comme ça, oh. Allez,
5 km sec, les gars. On est presque. On est presque. On est presque. Dans quel film le gars il a, il fait j'y suis presque. J'y suis presque. Putain, les mecs. C'est dans. Alors attendez, je vais vous donner un indice. C'est pas trop facile. Là on est une sacrée team là. Ouf, ouf, ça va faire mal hein. Anzo Zeratul bleu boucher. Le dégât on devrait être bien. Putain le boucher il est bon. Boucher j'aime bien parce que si t'arrives à sauter dans le tas sans qu'il te focus, tu peux genre bien buter, mais faut bien farmer des gouttes. En fait, c'est, le truc c'est que comme tu peux teamfight direct dans Heroes, t'es pas obligé d'aller sur les lanes. Mais en fait, il y a plein de persos avec des quêtes ou des trucs qui t'obligent à quand même aller sur les lanes pour farmer des petits mobs, ouais. Pour avoir plus de puissance quoi. Le boucher, tu vois que c'est quand tu tues des creeps, tu gagnes des gouttes de sang et faut que tu le charges en gouttes de sang pour qu'après il défonce. Diablo, tu sais, comme je t'ai dit, il y a des moments où je reste instantanément. Alors, ouais. En fait, c'est mon passif. Il faut que je farme quelques creeps sur les lanes pour en avoir, je crois, 100 d'âmes. Ouais. Une fois que j'ai 100 âmes, je peux revive instantanément. Putain. Ah, c'est super fort. Non, mais tu vois, du coup, t'es obligé de farmer. Des moyens de setup. Ouais, non, mais je farme en plein milieu de la lane avec vous trois. Oui, bien sûr, bien avec sûr. Avec trois personnes, tu vois. Ça marche. Donc du coup, le fait de farmer, de faire la lane normalement, tu vois, ça me setup mon truc. Et il y a possibilité même de, en cas de gros fight, je peux mourir pour revenir, tu vois. Ouais, ouais. Ça mourir pour revenir. Tu vois, c'est... Ça peut être intéressant, genre sur un catch où je me suicide, où je donne mon boule pour que vous butiez deux mecs. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. En fait, le Diablo, je le trouve... Ben, quand j'ai rejoué au jeu il y a un an avec un collègue, ouais. On est monté plate en jouant Valyra, Diablo et Anzo. On était trois, on lavait toute la partie. Ah ouais, oui. Non, je te jure que c'était infernal, hein. Les mecs, ils pouvaient rien faire. On avait à chaque fois un bon petit healer, c'était le feu. Hein. C'était trop trop mal. Anzo, genre vraiment, le mec avec qui je jouais, il mainait Anzo, et il me disait, honnêtement, c'est le perso. Qui fait le plus de dégâts dans le jeu. Il est horrible. Trop mal. Avec le sort là qui fait des flèches là qui rebondissent, c'est insane. Ah ouais, ouais, t'as un autre sort en fait. Enfin, t'as une amélioration de ce sort en fait, c'est quand ça rebondit et que ça touche des mecs, ça traverse les ennemis. Ouais, ouais, ouais. C'est trop fort. C'est trop et fort. Il me semble que ça fait des dégâts par rapport au PV de l'ennemi aussi. Ah bon? Tiens, j'ai pas regardé ça. Il y a un truc où tu peux faire plus mal pour sur les tanks avec ta flèche. Du coup les mecs tu les exploses quoi. Ouais. Allez 7 km 2 les mecs. Je suis presque là. J'arrive. Oh le petit gars. Et voilà. C'est bon. T'es pas au pompier toi aujourd'hui, non? Non, demain. Demain? Ah non. Un jour sur deux? Ah, même les chips, ça me rapporte des âmes. Un jour sur deux. Mais si tu regardes avec Thrall, c'est trop chiant parce qu'il faut que ce soit l'éclair qui finisse. Donc pour faire 20 kills, il faut déjà descendre les creeps et tout. Et avant, genre tu sélectionnais le pouvoir, t'avais direct deux éclairs. Alors faut que tu fasses la quête. Je pensais que t'allais pousser ici. Je pensais que t'allais pousser sur la ligne droite. Non, j'ai pas. En fait, je cherche pas à comprendre parce que le stun, comme il dure pas longtemps, c'est le grab où je le ramène derrière moi. Ouais. Il stun pas très longtemps, du coup, j'ai pas le temps de sidestep pour le pousser et me replacer, tu vois. Correctement.
Ça aussi, c'est un truc, c'est trop fort. C'est quand tu pousses l'ennemi avec ton A, tu le pousses sur une paroi, ça le stun. Ouais, ça va, ça va. Ça va. C'est trop fort. Et t'as une quête à un moment donné, attends, je veux dire. Il fait ça si tu coves aussi. C'est quête charge, charge d'ombre réduit l'armure. En gros, quand je charge l'ennemi. Quand je charge l'ennemi, je lui réduis son armure de 50%, je crois. Attends. On réduit l'armure de 15, pardon, pendant 15, pendant 4 secondes. Tant mieux, par contre, faut pas trop qu'il fasse le gars, lui. Hein. Ouais, ouais. Y'a Valira. Qu'est-ce qu'il fait ? 8 km2, les gars. J'arrive. Oh ! Je suis endormi, je pouvais rien faire. Mon bizarre, mon image est bizarre et rose fluo. Ouais, c'est parce que Twitch, parfois, il encode de la merde. Parce que je passe par un truc. Attends, j'essaie de changer de scène et de remettre. Ah ! J'arrive. Alors, ça a changé. Donc, faut que je coupe le stream et que je remette. Voilà. Elle est là, fais gaffe. Ouais, mais bien vu. J'arrive. Voilà. J'arrive, bait là. Oh. J'arrive. Par en haut, j'arrive. C'est bon. On est reparti. Oh. Ah, on a Zeratul avec nous. Allez, encore. Allez, encore un kilo, un kilomètre. 5. Vas-y. Oh, je suis endormi. Encore 1,5 km. Oh, lui pète la gueule. Non. Oh, il est bloqué. Go. Non. Casse-toi, toi. J'arrive. Non, ne meurs pas. Oh. Je peux te heal. Trop fort. On l'a bloqué dans l'obus. Prends les obus. Si je vais push le mid. Prends l'obus mid. Non, ils veulent prendre. Allez. 9 km. Encore un petit kilomètre. Là, l'obus. Les gars, l'obus. Mais ça va les couilles bouché là. Putain. Oh, le boucher, non. L'obus. Oh, le boucher. Le boucher. Eh, vas-y, c'est abusé là, par contre, faut venir là, y'a l'autre là. Merci Venom. Oh, je vais te cancel. Vas-y. Il a cancel son truc. Oui. Bien joué. Vas-y, le dernier 500 mètres. On va augmenter la puissance. Je suis à 5. Je vais mettre à 7. Oh. Maximum de puissance, c'est 8. Hein. Ok. Allez. Il fait quoi le... Allez. 400 mètres. Allez. C'est l'arrivée, mon gros. Allez. Oh non, on est... On peut le cancel, j'arrive. Allez, 200 mètres. En fait, c'est le casque. Il va le mettre en bot. Oh, go. Allez, putain, 100 mètres. Allez, vas-y, donne-toi, putain. La Valira. Tu stun. D-board. J'arrive, je spawn. Oh, puissance 4. Non, mais non. Salut. Oh putain, puissance 7, ça défonce. On l'a défoncé, lui, hein. Dégueu. Oh, puissance 7, ça défonce. Tu me ramènes derrière, moi, je peux le stun encore. Ouais, mais là, c'est un peu compliqué, là.
le ramène. Oh, ok. Oh. Oh non. Voilà. Je sue déjà quoi. Je le stun dans le vide. Je sue déjà. Je stun là qui est invisible MDR. Go 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 go. Bon, j'attends qu'ils finissent leur game. Je vais pédaler pour me désessouffler. Oh oui, oh oui. Putain de prof. Et allez. Bravo, un coup de flotte. Les obus, les obus, les obus. Les obus. Alors, toi ? Ouais, j'ai avec toi. Eh bah, ça fait du bien. Au lieu, on lui casse la bouche. Ouf. Ça fait du bien. Voilà. Vous pas besoin de sortir pour faire du sport. Oh, ça l'est, il fait beau. Je fonds. Je fonds. Je prends, je prends, je prends. Lâche, 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 je prends. J'ai... Je lui casse. Bien joué. Voilà, on a fait 10 km. Là, je suis en mode redescente, puissance 4. Jouer au push. C'est qui ce perso là qui est en face? Ça, c'est Garrosh. C'est super fort. Pour ça, je vous dis Diablo Garrosh, c'est. God cher quoi. C'est quoi l'image du Tour de France? Non, je sais pas, c'est une image que j'ai pécho sur YouTube. De mecs qui font du vélo qui se sont filmés. Vas-y, go bot, go bot, go bot. Voilà. Alors ça me motive. Vas-y, t'as plaît. Mon dieu. Oh la gueule. Au début, je voulais mettre l'image du vélo de Black Mirror. Mais il est pas sur on le. On peut la cache, on peut la cache, on peut la cache. Sur le... Elle a un temps de cache. J'ai l'image, merde. Sur le. Go, 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 go. Tu as Black Mirror, le truc du vélo, t'as toujours la meuf qui chante. Ok, vas-y, 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 vas-y. J'ai joué, j'ai. Ouh. Oh, reviens, reviens, reviens. Eh ben. Voilà. Allez. On les défonce par contre. Allez. Vous en êtes où là? Vous avez pris les tours un peu? Dans le bac, ouais, ouais, go, 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 go. Il est stun. Bon, buvez l'eau et lavez-vous les mains. Hein. Bord de l'eau, c'est pour le corps, se laver les mains, c'est pour le coronavirus. Recherche, je prends trop cher. Voilà. On peut faire un camp, hein. Faites un camp, faites un camp. Oh oui, j'arrive. J'ai arraché le truc de la pédale. Enfin, je vais aller chercher du scotch. Je pédalais trop fort. Vous allez bien ce petit vélo. Attends le dos. Oh non, non, back, 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 back. Je pense qu'après je vais me mettre sur l'autre mur que j'ai fait. Avec tous mes posters. C'est pas grave, c'est pas grave, je reset. En fait, ce qu'il y a, c'est que là je respawn là. Regarde, je suis déjà là. Je suis déjà là, j'arrive. Je vais défendre le top. Vas-y, prends le top. Oh, dommage, fuyez, 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 go back, go back. Ouh. Voilà. Faudra arriver à couche ça là. 1 km 3 en plus juste pour se détendre les jambes. Voilà. Tu veux faire le camp là? Ça va être ça l'idée, c'est de se faire un 10 bornes tous les matins. Je pense. Et quand on arrive aux 500 follow de la chaîne, là, on pète un 30 bornes. Un marathon 30 bornes. Ah, faut défendre. Je pense que d'ici là, le temps que ça monte, j'aurai le temps de m'être entraîné pour faire un 30 bornes. Non, après, bon, je ne joue pas à Fortnite, je vais jouer à Heroes of the Storm. Oh. Go, 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 go. Gobi, Gobi. Ils sont déjà deux là. Gobi, j'arrive, j'arrive. Ah. Vas-y, arrive. J'arrive, il meurt. Donc je vais préparer le stream. Go, go. J'arrive, j'enlève le vélo, j'enlève le truc.
Du coup, je me suis vraiment mis devant le PC. On va reprendre celui au mid là. Donc, je prépare tout ça. Ouh. Ouh. Mason. Vas-y, je le prends. Oh, je me fais défoncer, je me fais. Oh, comment. Putain de comment merde, allez, prends-le là. Putain, 18 secondes. Fais gaffe, hein, t'es tout seul là. Elle est là. Bien joué ça. Vas-y, je pêche le mid. Oh, en top, ça push bien. Ouais, bah avec le camp, ouais, ça aide. Ouais. Là, je reviens en mid. On a deux ogives là. Ah, y a des non, camps là en bas. Les cons, juste taper. L'ogive, on le garde. Go, go, j'ai besoin d'aide. Je te heal. Lui. Elle est là, hein. Bien joué. Go. Jouer. Je claque le truc. C'est bon, c'est claqué. Bam. Oh, le fou. Bam. Bon, on tape. Stun en plus. Oh là. Oh. Vas-y, je te full heal. Go back. Ok, Weston. Ouais, nickel. Allez, on va faire les camps, go faire les camps. Vas-y. Ils vont venir. Attends, non, lance pas. Hein. Lance pas. Oh. Il est immortel. Ouais. Jouer. Easton. Oh, j'ai besoin d'aide. Ouais. Je te heal. Ouais. Oh, on est défoncé. Go. Je reste dans le truc. Non. Je suis mort. C'est pas grave. C'est bon. C'est fini, gros. En gros, tu sais que t'étais tout seul à les tanks. Hein. Je suis horrible. Ouais, gros. Tu veux quoi, toi? Tu veux du pâté, toi? Gros, par contre, je sais pas comment t'as fait pour pas prendre un dégât. Mais gros, je l'ai full stun, en fait. Genre... Ah, ok. Les mecs, ils sont là, ils sont immobiles. Il y a des ogives dispo, là. Il y a les ogives dispo. Zeratul, il va. Allez. Hop. Je suis là. Petite sucrète. Allez. Café. Oh, putain. Le mini-couille, elle va y aller. Le demi-couille. Go. Ok, il le prend. Hop. Faut les bots. Allez. On a une, deux, Zeratul en a une. Anzo, il va prendre la quatrième. Putain, on a les quatre, quoi. On a les quatre, c'est insane. Là. Les côtés. Go. Alors. Il est où, Heroes? Je te heal. Boum. Je vais couper le micro sur Discord pour essayer de pas être trop les déconcentrer. Et on gagne la game. Ouh. Attention. Ça part sur un stun. Stun. Leur pouce. Dedans là, mets-toi dans le truc de lumière. Il là. A pris le. Oh, il a pu, il a perdu. Bien joué ça. Il a perdu.
On le claque sur l'idole. Go 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 go. On finit. Trop fort, hein, vraiment la compo avec ton heal gros, ton heal plus Diablo. Laisse tomber gros. Je suis invincible avec gros. Ah ouais non mais c'est infernal hein, je sais pas si tu vois. Regarde mec, je prends 0 dégâts. Bon par contre là ça fait mal maintenant. Ah ouais c'est parce que j'étais pas en train de te heal. L'autre Easton. Go back, on fait les camps. Faut faire le boss là. Alors, on a dit. J'allais que je joue Garrosh. Tu veux que je prenne Garrosh après, c'est ça? As you want, hein. Non, mais c'est pour. Ça me dérange pas, c'est juste pour savoir. Comme ça, je le teste. Go back. Il est où? Go back. Oh, c'est un guerrier offensif. Ah, c'est même pas un guerrier offensif. Attends, j'ai juste à la fontaine de soins. Et on fait le boss. Pour le mana et tout. Non, attends. Je vais dépêcher en même temps le bot. Vas-y, ah, c'est un guerrier défensif, hein, pas offensif. Oh, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut ce fou là? Ah, du coup, si tu joues Diablo, t'as l'offensif, donc je prends le Garrosh. Alors... Top. Là. Vas-y, je suis derrière toi. Hop, on va la musique. Listen! Boum! Tac. Faut le choper. Ah, il a l'ogive en plus. L'ogive. Lui là. Il est stun. Alors, en même temps, on va profiter pour refaire un petit peu le setup. Je repousse. Oh. Ah, mais quoi, c'est infernal. Le mec se chauffe, je fais une jet signal. Tac. And his name is John Cena. Tac. Il est parti. Mais ça a pris. C'est Hots, Frenchie, Life Scene, Back. Et les gars, agro-greux, hein. Agro-greux. Oh, les a violés, ce game. Les gars, tu prends des dégâts, beaucoup de dégâts là. Ah, ok. Ça va. Les gars, yep. Alors déjà, on ce qu'il me va prendre ça comme capacité. Capacité, on va regarder build. Fini. Oh là là. Oh, c'est trop bien mec, c'est jouissif mec. Quand t'es un tank et que t'as un I qui est là qui te rend invincible. Eh ben ouais gros, mais ouais mais mec, gros. L'FP Diablo. Putain. Je te donne gros, c'est toi qui as tout fait. Voilà, bien joué. Hop. Gros, mes stats. Gros, j'ai 121 000 de dégâts de siège. Et j'ai presque autant de dégâts que le boucher, gros. Tac. C'est quoi ce jeu, gros. Toi, par contre, tu sais que t'as presque 100 000 de heal. T'as 50 000 de heal de plus que la Ana en face. Attends, je veux voir combien j'ai de heal, moi. T'as 91 000, elle a 48 000. Presque wow, 49 000. Ah ouais gros, c'est énervé gros comme ça hein. C'est énervé de ouf, mais tu joues trop bien aussi, c'est ça le truc. Bah en même temps, c'est bon. Ah, tryhard. Golden, débarre. Bah du coup, attends, hop, vous pouvez m'inviter hein. Ouais. Oh, j'ai débloqué un skill de Sonia, magnifique. Sonia, oui, la meuf était double épée là. Elle là. C'est lequel? Le genre d'ange là. Bah, tu vois LOL ou pas? Hop, voilà. Ouais. On dirait le skin de Kayle. Attends, je vais te dire lequel c'est. Alors, modèle. Moi, je dis celui-là, moi. Ah, on change. Sonia en tenue de courroux écarlate. Attends, je vais te montrer. Ah, ouais, bah, oh, il est trop. Bah, tu vois, moi, j'ai celui-là, mais en jaune. Attends, il est où Sonia là? Tank offensif, c'est non? Ouais. Ah oui, je le vois. Ah, c'est lui, regarde. Ouais, je vois, ouais. Ouais. Bah, moi, c'est celui là, gros. Tac. Ok, hop. Bah, le tir, je préfère le tir largement par contre. Non, en rouge, gros, avec la grosse épée rouge.
Tac. On dirait Zarya, tu sais, dans Overwatch. La meuf avec des gros biscottos, genre en mode émaniqué des darons. Bah, tu vois, je vais jouer Sonia. Je vais jouer Sonia. Parce qu'il est level 3. Vas-y, alors, si vous jouez deux tanks, moi je vais jouer autre chose. Je vais jouer un petit, je pense. Est-ce que je suis passé level 5 là avec Andouin là? Ah, bah voilà, ouais, c'est ce moi, qu'il faut. Je vais jouer Andouin alors. Garrosh. Je vais jouer Auriel. Je suis bientôt niveau 5. Niveau 3. Il y a un boost XP, je joue Auriel. Alors, si j'ai un skin dessus. Oh, ouais. Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau. Alors, c'est quoi? C'est un main tank. Oh, il est trop beau ce skin là. Inflige 80 points de dégâts aux ennemis dans un arc de cercle. Les héros adverses touchés dans la périphérie de l'arc sont étourdis pendant 0,5 secondes. Puis ralentis pendant de 40% pendant 2 secondes. Ah oui, c'est violent ça. Le Z inflige 156 points de dégâts à un ennemi errant à Garrosh 10% de ses points de vie manquants. Cibler un héros adverse double le montant des points de vie rendus. Ok. Boulet de démolition. Lance un héros serviteur ou mercenaire. Genre celui-là, tu le vois là ? Adverse. Non. Proche. À l'endroit ciblé. Ah, ouais. Inflige. Non, rouge, on dirait un ange de la mort. Gros. 91 points de dégâts. Il y en a un qui est stylé en mode. Tu sais, meuf japonaise là. Je vois pas. Pour chaque tranche de 2% son maximum de points de. Bah, tu vas sur Auriel, tu verras. Ouais. Chaque tranche de 2% de son maximum de vie qui lui manque, Garrosh obtient un point d'armure. Ok. Défi du sien. Réduit au silence tous les héros. Ok. Et tourbillon de corruption. J'ai des dégâts aux ennemis proches et ralenti. D'accord. Ok. The main tank build focuses on Garrosh. Need to provide his team with a strong frontline that can effectively soak enemy damage and lock down heroes with reliable crowd control. Wildbreaker, alors si là. Et là sur Sonia, il n'y a que le standard. Allows Groundbreaker to become a powerful tool. Quoi? Il est dans le noir encore, papa? Vous m'entendez là? Ouais. Ok. Je suis en train de lire. C'est le round. C'est qui? C'est Nova à droite? Ouais. Ouais. Oh là là. J'en ai un de skin sur Nova, je montrerai après. Ouais. Oh putain, temple céleste. Alors, qui contre. Alors, traceur variant abattur. Samuro. Alex Tracha, là, faut arriver à se la faire là. C'est qui le heal en face là? Alex Tracha. Elle se transforme en dragon et tout, tout de ouf. Vas-y, moi aussi je vois ce perso. Etienne, il est level 50. Ouais, Etienne, oui. Etienne, il est 100 et quelques. Ah oui, bah oui, excuse-nous. Non, mais il a poncé un peu. On y a joué longtemps avec Étienne pendant un moment avec Romain. Quand t'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, ça date ça. C'était une autre vie ça. Alors attends, la quête c'est quoi? Étourdi. Il faut étourdir 15 héros, tu vois. Donc il faut déjà que je balance 15 fois mon A sur des héros. Tout à base de quête. Oui, ouais, vas-y, moi je rush les ennemis, je les défends. L'âme des anciens, surtout. Tuez-vous les uns les autres. Planquez-vous, laissez-les arriver. Ils sont en top. Ils sont en top, ouais. J'y vais. Je fais pour aller dedans. Je mets les pieds où je veux.
maquette, elle a bien commencé déjà. Voilà. Oh putain, putain. Tu vas la chercher? Bien, hein. Ah, t'as pas de mana, toi, en plus. Oh, lui, là-bas. Oh, oh, mais c'est un truc en ligne! Putain, j'ai cru que c'est un truc targetable! Putain, fuck! Oh, je voulais TP, hein. Ouais, ouais. Mais moi, je peux pas la ramener ou stun ou quoi. Moi, je peux juste me... Genre, je peux juste aller vers elle, en fait. Voilà. Choisissez un talent. Hop, 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 hop. Attends, je back un peu. Mais non, je rate ça. Choisissez un talent. Je prends lequel? Je prends... Toi, oh putain, c'était l'image. Plus de mana. Faut capturer les temples. Yep, y'a quoi? Y'a que en top? Ah non, y'a mid aussi. Vas-y, je m'en occupe, il est là, là. Go. Go in. Go. J'ai plus de mana, putain, j'aurais dû aller recharger avant. Putain, il m'a retourné. Ta mère, ce que je rate. Go, on prend. T'inquiète pas, je vais te soigner. Oui, je sais, de toute façon, là je refuel ma mana là, tranquille. Là, elle est là. Ouais. Putain, elles sont chiantes ces images. Attention. La tracer. On l'a eu à la fin, on l'a eu. Go. Casse-tu la bouche. Je back. Attention dans le back. Us. Là. Oui. Je vais en bas, hein, je vais défendre. Putain, ils ont pété la fontaine. Oh, vous avez réussi à récupérer. Nice, bien joué. C'est lui. Ah bah lui. Et il s'est TP en fait sur son clone. Oh là, Go top, go défendre. C'est bon, ils vont défendre. Go faire le camp. Voilà, vas-y, charge. Mana. C'est bon. Choisissez un talent. Fais celui du bas. On va défendre. Ouais. Il est parti. Parti. Camp du bas. Il fait le camp chez nous. C'est pas le vrai. Il est là le vrai.
Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Là, 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 là. Il va tellement vite. Vas-y, on fait le camp vite fait, après il y aura la... Il y a le temple. Il y a le temple en bas, hein. Ouais, go temple. Ils sont en train de le prendre. Go, go, go. On back sur moi les gars. C'est lui là. Je suis mort. Tu peux me ramener? Ouais, j'ai essayé de te sauver. Je t'ai sauvé. Ouais, mais je peux. L'autre elle me met la bombe. Ouais, mais je savais pas vu qu'elle était là. On a ça en fait avec nous, ça sert à rien. Non, c'est le Falstad là qui était pas là, il était en haut. Ouais, ouais, mais les deux servent à rien en fait, les deux n'étaient pas là. C'est qui les dégâts de la game là? Qui sont censés faire les dégâts, c'est qui? Les deux autres. Toi, Nova et Falstad. Ok, comment ça se fait que Falstad a 5000, moi j'en ai 15000 et ça, Nova a 13000? Parce qu'il est tout simplement jamais là. Go oh, la Nova on la catch, la Nova on la catch. Ah, sur moi, sur moi, sur moi. Je suis avec le truc sur la tronche, celui avec le truc sur la tronche. Red. Ta mère. Putain ma mère. Putain, elle m'a posé la bombe, la pute. Je suis allé trop loin. Ah, on se fait poutrer parce que bah, le Falstad en fait casser la tête, quoi, tout simplement. Le mec qui fout le live fait des allers-retours dans la base. T'énerve pas, t'énerve pas. Je m'énerve pas là. Je vais juste remarquer qu'il est FK. Ouais, c'est la partie rapide, hein, tu peux pas te plaindre. Putain, mais rien que le camp il me défonce quoi. Je peux pas solo un camp s'il te plaît. La pété là, la Nova là. Putain de merde là. J'arrive, mais... je te saute dessus. Non, fais gaffe, fais gaffe. Non, non, non. Je peux pas défendre en bas si j'ai un. Je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. Il moi. Ouais, bah gros, je fais ce que je peux. Hein. J'ai un énorme CD sur mon heal en fait. Ok. Ah, c'est ça aussi, tu vois. CD, en fait, genre, c'est toutes les 5 secondes quoi. Ah ouais, bah c'est un énorme CD. 5 secondes, c'est énorme 5 secondes. Bah en fait. Non, c'est pas. Ah si. 5 secondes, c'est énorme. Ouais, c'est peut-être un gros heal, mais c'est énorme. Là, là, sur moi, sur moi. Jouer, allez, il meurt. Jouer. GG. Il y a un camp qui push en bas de ouf, hein. Non, oh, putain, il a fait la putain de fontaine. J'arrive. Ah, Falstad qui a toujours pas compris que c'était lui qu'il fallait taper, bordel de merde. Oh putain. Quoi, c'est lui? Il s'est remis full life. Bah oui, c'est la... C'est la... Alexstrasza. Regarde, elle a 52 000 de heal de plus que moi.
En même temps, quand t'as un perso où que tu peux spam heal, c'est pas compliqué quoi. Ah oui. Je me suis auto-heal 11 000. Le camp il est en train de nous défoncer, ça fait 1000 ans je vous dis, faut faire le camp en bas. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est. Moi je heal par rapport à ma barre d'énergie qui monte en bas en fait, en dessous de mon perso. Faut faire les camps. Hein. Ouais. Ils ont fait le boss, faut défendre. Voilà, je savais pas qu'ils avaient fait le boss. Ah oui, ils ont le truc, le boss. Ils ont 4 niveaux de plus que nous, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, sinon on le laisse passer, on en relance une. Jamais. Jusqu'au bout. Franchement, sur un gros teamfight et sur un truc, on peut espérer gagner. Bah, toujours. Mais bon, là, il y a beaucoup de niveaux de différence. Oh là 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 là. En fait, j'ai même pas besoin de mettre l'ult où les gens sont obligés de m'attaquer puisqu'ils m'attaquent moi.